mercredi, je ne sais pas, 16 ou 17 mars. Et on se retrouve pour un retour de course. Si vous me voyez regarder derrière, c'est parce que les garçons sont encore là derrière. Voilà. Sur ce, on va commencer. Je voulais d'abord faire une petite parenthèse et vous montrer quelque chose que j'ai fait que pour moi et que j'ai montré sur Instagram. Et beaucoup m'ont dit, oh, mais c'est génial, est-ce que tu peux les mettre dans ta boutique? Donc, je vous les montre. Ce sont des boîtes à masques, comme ceci. Il y a plusieurs couleurs. Il y a donc vert, blanc, rouge, rose et bleu. Et du coup, j'ai mis... donc ça, c'est pour mon sac à main, donc j'ai mis parents et enfants. Elliot à la sienne, dans son sac, il y a écrit Elliot. Lenny à la sienne, dans son sac, donc dans les cartables, il y a écrit Lenny. Et du coup, ce sont des boîtes à masques. Hop, comme ceci, tout simplement. Oh, voilà. Et je trouve ça hyper pratique pour mettre dans le sac à main ou dans les cartables des enfants. Donc, sachez que vous les retrouvez dans la boutique et que vous pouvez, et bien évidemment, personnaliser. Voilà, j'écris ce que vous voulez dessus. Voilà. Aparté fait, on y va pour le retour de course. Je suis allée chez Leclerc. Il fallait pas tant de choses que ça parce que j'ai le congélateur plein de viande. J'ai encore un peu de poisson et voilà, et il me reste des 2 ou 3 endives et un, je sais plus comment ça s'appelle la salade que j'ai acheté la semaine dernière. J'avais acheté un paquet de 3 sucrines, donc il m'en reste une, et puis dans le congélateur j'ai 2-3 trucs, donc bref, j'ai pas pris grand chose. Je vous montre ça, c'est au bazar. Alors je vous montre comme c'était en bazar parce que je suis rentrée, il était midi et quelques et on avait hyper faim, donc on a d'abord mangé. Et ensuite, je fais le retour de course. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas voir. C'est un poulet rôti que j'ai acheté tout prêt, tout cuit à Leclerc. 6 euros et quelques. Et il y avait 2 barquettes de pommes de terre à 2 euros et quelques. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Charcuterie, charcuterie. C'est bien l'étiquette Leclerc, c'est que c'est tout. Voilà. Le poulet 6,90 et les barquettes de pommes de terre, il y en avait une à 2,94 et une à 2,74. Voilà. Donc ça n'existe plus, ça a disparu, c'est dans nos estomacs, tu as fait bouger le trépied. Voilà, c'était très bon, on s'est régalé et ça c'est fait. Donc ensuite, de la crème liquide, comme ceci, comme d'habitude, comme d'hab, je vous mets les prix juste là. Je crois que cette fois je ne me trompe plus, donc je vous mets les prix ici. Donc de la crème liquide, parce que crème liquide il en fait toujours, hein. Voilà. Du Cubor, ça je vous l'ai déjà dit, mais je... voilà, le Cubor c'est la vie, j'en ai partout. Donc du Cubor, j'ai repris du miel, voilà, parce qu'on est de grands consommateurs de miel. J'ai repris de l'origan parce que je n'en avais plus, ou en tout cas j'en ai presque plus, et je m'en sers beaucoup aussi. Les garçons m'ont fait une petite liste de courses avant que je parte. Et dans leur liste de courses, il y avait... les tomates cerises. Donc j'ai pris des tomates cerises, voilà, 99 centimes, non. Il y avait aussi des pommes, donc j'ai pris des pommes et redes pommes, voilà, 99 centimes chaque paquet de 4, voilà, ça c'était dans la liste des garçons. Ensuite j'ai pris, hop, de la macédoine, de légumes, comme ceci, oui attends chérie, de la macédoine comme ça. Je sais pas si ça sera pour cette semaine, mais j'en ai plus dans mon stock, donc j'en ai repris une boîte. J'ai pris quelques trucs pour le stock parce qu'on a quand même bien tapé dedans ces dernières semaines, donc voilà. Pour le stock aussi, j'ai repris des petits pois comme ceci. En fait je voulais les prendre à Lidl la semaine dernière, mais il n'y en avait pas en bocal comme ça, et je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais je trouve qu'ils sont meilleurs en bocal qu'en boîte de conserve. Et en surgelé, je n'aime pas, je trouve ça trop sec, enfin bref, je suis pas fan. Et puis frais, je n'ai pas du tout envie de les faire moi-même, donc je les aime bien en bocal. Donc voilà, des petits pois pour le stock. Pour le stock, j'ai aussi repris des pâtes, parce qu'on n'a plus de pâtes, plus de paquet d'avance. Voilà, il nous reste des spaghettis ici, et je crois que c'est tout, un tout petit peu de plus comment ça s'appelle, la laitue. Tellini ou je crois quoi, bref, un petit peu dans la boîte. Mais du coup j'ai repris 2 paquets de pâtes, dont un paquet de penne comme ça. Ça c'est un petit, c'est un 500 grammes je crois, hop là, ouais, un 500 grammes, voilà. Et 1 kg de spaghetti, voilà. Et j'en reprendrai du coup la semaine prochaine pour remettre en stock, parce que
parce que j'ai plus rien. Les garçons, vous allez sortir de la cuisine. Ensuite, des sauces. Béarnaise, comme ceci. Ça, c'est pareil, on n'en avait plus. Du coup, j'ai profité qu'il y ait pas, que j'ai pas beaucoup de choses à acheter pour acheter des choses... de renouveler le stock ou les condiments, voilà. Donc j'ai pris une béarnaise, comme ceci, de l'aïoli, voilà, qu'on a entamé ce midi, qui est bonne, voilà. Et de la mayonnaise, voilà, comme ceci. Ensuite, un paquet de madeleine, voilà, ça c'est bon, on aime tous ça à la maison, voilà, un paquet de madeleine. Sur les sauces, j'ai oublié de vous montrer le ketchup, j'ai pris celui-ci, en fait je voulais un plus petit parce que je trouve ça hyper gros, mais en réduit en sucre, il n'y avait pas plus petit, donc j'ai pris ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là, ouais. Le focus, c'est bien fait. Bref, j'ai pris ça. Hop. Ensuite, toujours pour le petit déj, de la brioche, comme ça. Franchement, elle est pas mauvaise. Elle est bonne même. Bon, rien à voir avec la brioche que j'emmène du travail. Mais elle coûte 2 euros et quelques, 14 je crois. Bref, en tout cas, elle est pas chère parce qu'elle est quand même grande. Et franchement, elle est bonne. Donc voilà. Dans la liste encore des garçons, il y avait de la salade de fruits comme ça. Hop, donc j'ai pris ça. Avec des fruits. Oui. Même si, donc là il nous reste de la semaine dernière, il nous reste des kiwis et un ananas. Donc je rajouterai des kiwis moi-même. Je sais plus ce que je vous ai montré, les courgettes. Je sais plus. J'ai montré les courgettes déjà les garçons ? Non. Non, non. Bon. Donc des courgettes. Voilà, il y en a 4. 1 kg d'oignons parce que j'en ai plus. Donc, voilà. Je suis même pas combien là. 2,5 kg de pommes de terre. Des oignons rouges. Ça, c'est trop trop bon. Franchement, je pense pas toujours en acheter, mais c'est super bon. Donc, je suis aux oignons rouges. Même en enfin cru du coup avec les salades ou quoi, ou en ceviche, c'est trop bon avec du poisson cru du coup. Ensuite j'ai acheté ces yaourts là pour mon mari parce qu'il les a bien aimés, mais j'ai pas retrouvé ceux avec les fruits secs, donc j'en ai pris d'autres. J'ai pris passion framboise comme ceci, c'est les bio végétariens là, au lait de soja. Donc voilà, passion framboise et morceau de fruits rouges. Voilà, donc ça c'est pour mon mari. Ensuite, ils m'ont aussi demandé du fromage blanc. Donc j'ai pris un pot comme ça, j'ai pris un gros parce que c'est 1 kg. Il y avait, je sais plus, il y avait quelque chose sur la carte de fidélité avec. Donc j'ai pris ça. Ça va partir, ça c'est sûr et certain. De la crème fraîche, parce que j'en ai plus du tout et que j'en ai besoin en plus dans la semaine là. Je sais plus faire quoi. Ah, mais si, on a fait des pommes de terre au four, vous savez. Des cuites au four quoi, et du coup je voulais faire une sauce avec de la crème fraîche et de la ciboulette, mais c'est trop bon comme ça et j'ai donc bref voilà, de la crème fraîche. Les garçons, doucement. Du fromage blanc comme ceci à la fraise parce que franchement c'était hyper bon, donc j'en reprends. Franchement, j'ai vraiment bien aimé et je crois que c'est moi qui ai tout mangé d'ailleurs. Alors que je mange pas trop d'yaourt, c'est moi qui ai tout mangé. J'ai pris des lardons comme ceci et je crois que c'est la première fois que je prends cela, mais ils étaient, je crois, que 4 centimes de plus que la marque Leclerc normale, classique. Sauf que là, du coup, ils sont sans nitrite, donc je suis, voilà, ça valait le coup quand même. Et donc, je les ai pris. Voilà.
Ensuite, pour les loulous, j'ai pris ça. J'en ai jamais pris. Ils sont tellement impatients de manger. C'est pour ça qu'ils voulaient être derrière la vidéo, je crois. Parce qu'ils ont trop hâte de goûter. Parce qu'ils en ont jamais mangé. Donc, mais même moi, ça m'a donné envie. Je crois qu'avec un petit café, là, je vais m'en faire un aussi. Hein. On va se faire ça, les garçons. Oui. Bon, voilà. Je pense que ça va être pas mal. Ensuite, j'ai pris aussi ça. Que j'ai jamais pris. Voilà, j'avais envie de prendre des trucs un peu nouveaux. Fromage blanc sur lit de fruits. Dites-moi si vous les avez déjà goûtés. Voilà. Et il y a comme parfum fraise, pêche et framboise. Donc écoutez, ma foi, voilà, on verra. Je vous dirai ça s'ils ont aimé ou pas. Et pour finir avec les yaourts, j'ai pris des flancs caramel, comme ça, un paquet de 4. Et j'ai pris que ça pour les garçons parce qu'il reste encore des brassés aux fruits que j'ai pris la semaine dernière chez Lidl. Il en reste pas beaucoup, mais je crois qu'il en reste 6 quand même. Donc voilà. Donc du coup j'ai pris que ça. Et on a bientôt fini. J'ai pris un petit morceau comme ça de tomme. C'était dans les à l'entrée du magasin, vous savez, dans les bacs là où il y a les promos. Et franchement ça m'a bien donné envie, avec un bon pain là, bien frais. Bref, ça m'a trop donné envie. Donc j'ai pris un bout. Et c'était 1,11€. Vous savez, c'est à la coupe et il y a plein de comment dirais-je, il y a plusieurs prix différents. On choisit la taille du morceau, etc. Donc bref. Mais c'était déjà emballé. Et donc voilà, moi j'ai pris celui-ci, 1,11€. J'ai pas pris trop gros parce que je veux pas que ça se perde non plus. Ensuite, j'ai pris un dos de cabillaud comme ceci. Ça aussi, ça m'a trop donné envie. Alors, à la base, je voulais pas acheter ni poisson ni viande. Parce que comme dit, j'en ai dans le congélateur. Mais franchement, ce morceau-là m'a trop donné envie. Et je crois qu'on va manger ça ce soir. Il a l'air trop bon. Et ça, c'était 6,10€. Il y a 400 grammes. Non, chérie. Non, voilà. Elliot me demande s'il y a des arêtes dedans parce que j'aime pas les arêtes. Voilà, j'aime pas les arêtes. Donc, j'ai d'autres cabillauds qu'on mangera ce soir. Et pour finir, j'ai pris du jus. Hop, je vais vous montrer. Ça, c'est pareil, je vais plus changer. Dans la liste. C'était dans la liste aussi ? Oui. Et donc, j'ai pris au rayon frais, du coup, Tropicana Cassis Fraise Myrtille. Voilà. En fait, j'ai pris des trucs qui me donnent envie, qui ont l'air hyper bons, mais du jus, j'en bois jamais, moi. Bref. C'est ma vie, hein. Donc, celui-ci. Et les bouteilles sont 100%, en plastique 100% recyclé. Ensuite, ça, ça m'a trop donné envie aussi. C'est toujours Tropicana et c'est ananas et citron vert. Et c'est sans sucre ajouté. Et ça, ça a l'air mais trop, trop bon. T'as raison, maman. Ça a l'air très bon. Ah oui, hein. Et pour finir, du jus de pomme, parce que Elliot adore le jus de pomme. C'est donc ce qu'il fait, il faut le faire, et voilà. Avec le jus de pomme. Et c'est du pur jus. Voilà, 100% fruits pressés. Et ça se voit à la couleur d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est tout pour ce retour de course. Et du coup, j'en ai eu pour 67€. Voilà, 66 et quelques. J'ai acheté 2-3 trucs non alimentaires. Donc voilà. Mais en alimentaire, j'en ai eu pour 66€ et quelques. Donc bah, c'est très 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 correct. Et du coup, ça rentre largement dans mon budget de la semaine. Voilà. C'est tout. Les garçons, doucement, doucement les filles. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on commente, on like, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye.